Salut. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer qu'il ne faut surtout pas emmerder une femme dans un bar. C'est parti. Et pour cela, on se retrouve sur Walk the Crips. Excusez-moi pour mon anglais de merde comme d'habitude. Vous allez voir, c'est dans le même principe que Walk the Teacher et Walk the Boss. Alors là, c'est Patrick qui emmène sa copine dans un bar. Voilà, on a Cynthia et là, on a je ne sais même plus ton nom, je l'ai oublié. Bah salut, salut. Alors lui, il est parti fumer. Est-ce que j'ai compris? Et là, on a les gros relous. Voilà, qui viennent faire chier les meufs à chaque fois. Mais cassez-vous! Non mais alors, là, toi je te permets pas du tout, tu me touches pas comme ça là. Ok, alors on peut se servir de plusieurs choses, on va tester, tiens. Un crayon. Tu veux mon numéro? Tiens. Oh, je crains le pire. What? Oh putain, dans l'œil. Un petit coup de cendrier? Allez! Oh non! Oh putain, la violence de cette femme! Ah ouais, d'accord, en plus elle retourne boire un verre après, comme si de rien n'était. Bon, ça s'avère très sanglant. Alors on va tester quoi? Oh, je peux son sac à main. Ah d'accord! C'est quoi ça? On dirait un taser. Je crois que c'est un taser. Oh my god, je crains le pire. Allez! Tiens! Dans les coucougnettes! Non, la violence du truc! Oh putain! Ah, dans la gorge. Ah oui, d'accord. Ah bah, chacun sa méthode, hein, tu sais. Ah ouais, d'accord. En plus, elle a l'air de faire ça indéfiniment. Donc d'accord, il meurt pas. Il s'est à vie comme ça. Bon, bah, on va passer. Hop. Allez, c'est parti. Une autre solution. On peut tester le chapeau. Non mais attends, je suis trop vénère, quoi. Allez. Oh putain, c'est quoi ce chapeau? Non mais attends, c'est une espionne, c'est pas possible. La meuf, c'est James Bond. Putain, elle lui a éclaté la tête. Non. La violence. À ne pas reproduire, les amis. What, avec quoi je vais essayer? Ah, tiens ça. Ah ouais. Espèce de tabouret, là. Oh, putain. Oh, putain. Non, dans la tête! Oh my god. Ah ouais. Et ben là, ils sont morts. Et toi, tu bois ton verre normal, quoi. Je ne te permets pas, jeune individu. Tiens. Allez, on va danser, les amis. Allez! Cynthia a envie de danser. Vas-y, on va danser. Voilà, je sens qu'elle va leur faire tomber le truc sur la gueule. Sur leur gueule. Et voilà. Ah ouais, d'accord, avec la petite musique. Oh non. La violence. What the fuck, c'est qui lui? Oh putain, alors lui ça doit être le mec de la sécurité, qu'il est fini. Alors tout le monde est d'accord, on peut tuer qui on veut ici, c'est ça? Ok, ça gêne personne. Putain, j'ai déjà fait 5 possibilités, il y en a 19, quand même. Ok, d'accord, maintenant on va tester avec le parapluie. Allez, viens. Putain, mais c'est pas possible, la nana, c'est James Bond. C'est ou ninja, ce que vous voulez. Putain, non, putain, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. Elle va le finir dans la bouche. Oh non! Ah! Elle a limited shot. Bon, allez. J'avais pas fini dans le sac. Il y avait plusieurs choses. Il y avait un taser. C'est quoi ça? Pepper spray. Ah, c'est un spray au poivre. J'ai failli en acheter une. Enfin, en acheter une fois. Enfin, je vous ai pas mis les détails. Oh non! Oh god. Lui qui doit souffrir. Bon, elle a clairement pas besoin de son mec, hein. Lui, il est parti fumer, là. Attendez, on va finir déjà le sac. C'est quoi, ça? Lipstick, c'est mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres Chanel. Cynthia, un rouge à lèvres Chanel, elle va s'en servir. Est-ce que je peux faire la même chose qu'elle? Parce que moi aussi, j'en ai un rouge à lèvres. Dans mon sac, quand je sors. Ouais, je sors. Ok, what? Non! Ah oui, mais j'ai pas de rouge à lèvres comme ça, moi. Ah putain. Ok, d'accord, il doit boire, normal. Le mec il souffle, hein, faudra peut-être faire quelque chose, hein. C'est peut-être un connard, mais bon, quand même, limite, hein. On va tester avec le verre. Ok, coup de sac à main, bim. Allez, tu fais moins le malin, mon gars, hein. Et toi, t'as soif? Oh non. Putain, il est... Non, non. Oh god. Putain, mais c'est horrible, dans le cou. Au calme, voilà. Maintenant, ils me feront plus chier, ok? J'ai la porte des chiottes que je peux tester. On va tester. Ok, d'accord, il me laisse même pas passer. Ah ouais, bande de boulot, ça. Allez, coup de poing, mon gars. Bon, voilà, les filles, vous savez comment vous défendre maintenant?
Joke, hein, it's a joke. Putain, mais la meuf, elle est... Laisse tomber. Non, dans les toilettes. Oh god. Ah, c'est ça va, ça. Ah, ah, il prend cher, là. Hein. Attention. C'est qui va nettoyer après? Non, mais regardez-moi ce sourire sadique, quoi, là. Regardez ça. C'est un psychopathe en puissance, lui aussi. Là, elle se lave les mains parce que voilà quoi, c'est sale maintenant. Alors, avec quoi je peux encore me défendre? Avec ses cheveux? What? Ok. Oh, bim, dans les couilles, mon gars! Et ouais! Ah ouais, d'accord, c'est une pince. Ah, j'en ai des pinces comme ça, moi aussi, mais je m'en sers pas trop comme ça, hein. Oh, putain. On fait pas chier Cynthia, ok? Non. Oh putain, elle l'achève. Non mais la tête là, faites quelque chose. C'est dégueulasse. Oh, il y a la chaussure. Ok. Non. Mais c'est... Attends, c'est pas possible. C'est vraiment une espionne. Ou elle bosse pour l'État, c'est pas possible. Elle est... Y a les flics, je sais pas ce que vous voulez, mais... Ah oui, d'accord. Ok. Là, je pense que le gars souffre. Non. Oh non. Les fléchettes. Ah, j'ai besoin d'un second objet. Bah alors attendez, ça doit être le truc là. Ça me paraît logique. Allez les gars, on va faire, on va jouer un peu aux fléchettes. Allez. Ça y est, sa voix. Ok. Non. Oh putain. Je n'ai pas de mots pour décrire cette violence. C'est une façon de jouer aux fléchettes, voilà, dans ce bar. Où est le problème? Qu'est-ce que j'ai pas testé? Ah ça, tiens, c'est quoi ça? A beer! Pression, là, le truc pour faire des bières, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Putain, mais la meuf, mais j'hallucine. Ah oui, d'accord, il l'aide. Ah bah, je vous l'avais dit que c'était un psychopathe. Ok, sur deux mèches, quoi, c'est son frère. Allez, mon gars, bois un petit peu de bière. Ok, normal. Voilà. Faites attention à la bière, les gars, hein. Sinon après vous allez avoir la petite brioche, hein, je vous dis ça. C'est Cynthia qui vous le démontre, hein. Attention. Qu'est-ce que je peux tester? Je peux tester... bah je peux tester le bière, non? Ça marche pas? Oh, je vais faire un combo, en fait. Ah d'accord, il me faut un autre objet. Bah attendez, il y a une deuxième canne, là. Allez, les gars, on fait un billard. Allez. Oh yeah. Ah, les beaufs de service, j'hallucine. Non, la violence. Je n'ai pas de beau pour décrire. Ok. Et toi? Oh putain, je me sens mal. Il se barre, les gars. Tire à nulle part. Ninja, mon gars. J'ai une petite boule. Est-ce que ça va être... On fait un pillard? Ok. Mais c'est la même chose, non? Ah non. Il est sérieux, lui? Il mate son cul, quoi. Ah, ça, c'est... J'ai horreur de ça. Ouais, ouais, ouais. Et toi aussi, tiens. Mets une boule, là. Allez, vas-y. C'est pas mal, ça. Allez, mets-les toutes. Oh, putain. Ah là, tu voulais jouer au billard, mon gars. Bah voilà, on y joue. T'es pas content? On approche de la fin. Qu'est-ce que c'est, ça? What? Ok. Elle a appelé quelqu'un. Ah, le mec de la sécu, il est revenu! Non! Kevin de la sécu est là! Oh putain, ils vont prendre cher. Il a quand même défoncé le bar, hein. Ah. Ok. Non. Le bus, prévisible. Bon bah voilà, Cynthia t'es tranquille. Merci Kevin. 17 sur 19. Qu'y a-t-il d'autre? Le toit. Ok, petit coup de sac à main, tranquille, mais calme. Ok. Je pense que faut ça... 2 minutes plus tard, ok. Elle emmène sur le toit, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Allez, tu balais.
bah c'est pas son mec là? Non mais lui aussi c'est un psychopathe, il y a un mec qui vient de tomber, qui s'est embroché, et il s'en bat les couilles. Au calme. Il y a ma lumière qui s'éteint, attendez je la rallume. Mon éclairage de pauvre, et ouais alors. Du coup il m'en reste un, mais c'est lequel? Les fléchettes je l'ai fait. Oh Patrick, ah oui c'est son mec qui s'appelle Patrick. Oh Patrick et... bah Patrick et elle non? C'est ça? Non c'est pas ça. Non c'était pas ça, je suis gourée. C'est même, on l'a déjà vu celui-là. Non mais alors attendez, j'ai Patrick. Arrête de baver toi, dis donc, espèce de connard. Patrick est aux toilettes, Patrick boit un verre, Patrick est des fléchettes, Patrick est un parapluie, Patrick est le chapeau. Non mais attendez. Ok. Alors maintenant c'est le final kill. Alors son mec arrive, là ça rigole plus. C'est son chéri qui arrive. Et Kevin aussi. Kevin de la sécurité. Ok d'accord, ils sont tous de mèche. What? Ok. Ouais mon gars. C'est pas mal. Ouais. Yeah. Allez Cynthia, allez Kevin. Finis-le. Putain il prend trop cher les gars. Allez. Ah non il va péter. Oh ça fait mal. Non mais lui il est déjà mort, attendez regardez sa tête. Oh putain. Vas-y. Ouais j'arrive, attends. Fail. D'où j'ai un fail? Oh non, ils sont sérieux. One eternity later. Ah non j'ai réussi, mais je pensais pas que ça allait faire comme ça. Ok. Non, la tête elle est partie. Ok, on s'en va bébé. Ok, moi je retourne à la sécurité. Et voilà, Cynthia et Patrick finissèrent heureux dans le meilleur des mondes. Ok, et par contre c'est qui va nettoyer? C'est moi, c'est ça hein? Et madame, t'as oublié ton sac? Cynthia, t'as oublié ton sac? Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous mets le lien du jeu, de ce jeu bien sanglant dans la description pour ceux qui voudront le tester. Sur ce les amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.